Vendredi va apporter beaucoup de publications, bien entendu. Donc, jetons-y un coup d'œil. En fait, toutes les publications de l'ordre du jour sont d'une grande importance. Et une estimation préliminaire du PIB du quatrième trimestre du Royaume-Uni va paraître à 9h30. Les données du troisième trimestre ont surpris à la hausse, ayant montré la plus forte croissance en 2017. Les publications suivantes seront disponibles à 13h30. Et c'est celle du PIB du quatrième trimestre des États-Unis. La croissance économique des États-Unis reste au-dessus du niveau de 3% depuis deux trimestres. Et nous devrions voir des résultats pareils dans cette publication. Une estimation préliminaire des commandes de biens durables des États-Unis pour décembre sera publiée à la même heure. Les commandes ont rebondi en novembre, mais l'estimation de base a montré une baisse décevante et inattendue. L'IPC du Canada pour décembre sera publié à la même heure. L'inflation annuelle s'est accélérée en novembre, mais cette publication devrait montrer une certaine baisse. Il faut également suivre de près les dernières mises à jour en provenance de Davos. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, et le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, vont parler des perspectives économiques mondiales à 14h. Vous avez regardé le calendrier économique pour vendredi 26 janvier. Je m'appelle K.S. Khalil. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour lundi. Au revoir.